En tout cas, bonsoir YouTube ou bonjour. Il est minuit passé, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, ben voilà. Très occupée avec mon travail. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux ces derniers temps, mais j'essaye de, voilà, de faire comme si je ne vois rien, m'occuper de mes oignons parce que, you know, j'ai des gens à payer. So yes, mes problèmes sont différents des problèmes de beaucoup de personnes. Mais bon, qu'à cela ne tienne, la vidéo d'aujourd'hui est très intéressante car je vais m'adresser à Pawemba. Avant qu'on arrive au message que je vais donner à Pawemba, laissez-moi d'abord commencer cette vidéo en disant que je souhaite un prompt rétablissement à Coco Emilia, biscuit de mer. Vraiment, si elle ne se sent pas bien, si elle est malade, que nos prières, j'espère que vous priez aussi pour elle, puissent l'atteindre, que sa famille soit entourée autour d'elle, toutes les forces possibles puissent être envoyées vers elle et qu'elle puisse se rétablir très vite. Parce que vous le savez, comme Ibrahim l'a dit, si elle n'est pas sur les réseaux, c'est vraiment différent. On va beau dire ce qu'on veut, mais elle a quand même quelque chose. Elle avait quelque chose. Elle a quelque chose qu'elle apportait à la toile. Et ça nous manque. On le sait, ça nous manque. Et elle n'est pas la seule qui nous manque sur les réseaux. En tout cas, j'aimais souvent lire quand elle commence à verser les surtout si snap. Donc, Coco, si tu vois ce message, je t'envoie tout l'amour possible et pour rétablissement à toi. Maintenant, il y a quelques jours de cela, Ibrahim a fait une vidéo où il était en train de vous parler, de vous dire qu'il a écouté des notes vocales de Pawemba, où Pawemba était vraiment en train de lyncher sa femme et de dire des choses vraiment incroyables. Et il vous a dit que par pudeur, il ne voulait pas faire écouter ces notes vocales-là, non seulement par pudeur, mais aussi parce que vraiment ça fait froid au dos quand vous écoutez, quand j'ai écouté les mêmes notes vocales. Et beaucoup d'entre vous, sous la vidéo d'Ibrahim, n'ont pas cru Ibrahim. Vous l'avez traité de menteur. Vous avez dit comment Pawemba a haussé sa femme à la télé. Il a parlé d'elle en auteur. C'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Et je suis venue sous les commentaires d'Ibrahim. Je vous ai dit, écoutez, moi-même, j'ai écouté cette note vocale. Hein, ne me faites pas sortir les notes vocales ici. Ouh! Vous avez répondu présente. Beaucoup d'entre vous ont dit des bêtises que je ne vais pas répéter ici parce que ça ne vaut pas la peine. Mais beaucoup d'entre vous ont dit que, bien sûr, elles ont le droit de demander des preuves. Et c'est vrai parce que de nos jours, pour vous sur les réseaux, vous êtes des Thomas, vous aimez voir avant de croire. Et comme vous faites aussi du suivisme moutonnier, hein, du coup, voilà, vous voulez voir avant de croire. Vous voulez, mais vous êtes même prêt à mettre les gens dans les problèmes tout simplement parce que vous voulez voir quelque chose avant de croire. Ouais, non? Alors, j'étais sur Facebook tout à l'heure et je fifoulais, je m'apprêtais à faire le post sur ma fille qui a eu 1 an de plus aujourd'hui. Et je vois des posts sur des pages gossip qui parlent d'Ibrahim. Ibrahim, c'est un menteur. Ibrahim a menti. S'il y a une chose que vous ne connaissez pas encore avec Ibrahim Larson, là, c'est que le gars, là, quand il parle, quand il fait ses vidéos, là, il va à la source prendre l'information. Il va toujours à la source. Parfois, il va à la source. Parfois, ça vient le retrouver où il est là lui-même. Il ne demande pas. Donc, quand Ibrahim vous dit qu'il a quelque chose, ça veut dire qu'il a cette chose-là. Quand Ibrahim vous dit qu'il n'a pas, ça veut dire qu'il n'a pas cette chose-là. Maintenant, la manière dont Ibrahim va relater l'histoire, ça ne me regarde pas. C'est sa page, c'est sa chaîne. Il est libre de relater son histoire comme il veut. Ça ne me relate pas. Ça ne me regarde pas. Mais de voir des gens se lever, le traiter de menteur, le traiter de ci, jusqu'à ce que Pawemba lui-même va même parler avec des gens pour prouver qu'il n'a jamais dit ça. On peut essayer de se couvrir comme ça. Bah, écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas regardé la vidéo de Ruby, il fallait que je le fasse. Je ne sais pas si Pawemba ou si Coco s'était mariée pour prouver à ses détracteurs qu'elle aussi elle peut se marier. Je ne sais pas quel était le but de ce mariage, mais qu'à cela le tienne, c'était un mariage, c'était un beau mariage de tout son avion. Le message a dit quoi? Le message a dit, Madame Vemba. Madame Vemba. Ah, maf, j'ai oublié. Maf, revenons à nos moutons. Comme je l'ai dit dès le départ, mon message va s'adresser à Pawemba. Écoute, Francis, ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais n'est absolument pas bien. Tu sais où tu es parti t'asseoir pour parler de ta femme. Tu le sais. De dire que elle est folle ou perd la tête ou des trucs comme ça. Si elle meurt, tu t'en fous. Tu vas beau dire que les gens mentent, mais les gens ne mentent pas. C'est bel bien et toi qui as dit ces choses-là. Les notes vocales sont là. On ne veut pas les sortir. Ce ne sera même pas bon. Moi, je voulais les faire sortir. On m'a dit non, ne fais pas sortir, ne fais pas sortir. Moi, je n'aime pas parler sans preuve.
Parce que je suis le genre de personne, je ne vais pas m'asseoir pour parler de quelqu'un, dire des choses sur quelqu'un, si je n'ai pas mes preuves. Que si on vient me dire que tu as dit tel, je me lève, je me défends. Tout ce que je vais te dire, où tu es parti t'asseoir là, tu sais où tu es parti t'asseoir pour parler de ta femme. Arrête de t'asseoir là-bas, tu parles de ta femme. Va prendre soin de ta femme. C'est encore ta femme? Va prendre soin de ta femme. Elle n'est pas bien, elle a besoin de toi, elle a besoin de son mari. Tu la fuis, tu la fuis, tu la fuis, tu ne peux pas parler d'elle. Et quand on sort ton vrai visage, on te dit non, tu as parlé de ta femme. Tu dis non, je n'ai pas parlé de ma femme, c'est le mensonge, moi j'aime ma femme et tout. Tu aimes ta femme. Tu aimes ta femme. Et tout ce que tu as raconté pendant plus de 30 minutes là, toi tu aimes ta femme. Ça va sortir, hein? Ça va sortir un jour. Ce ne sera pas moi, ce ne sera pas Ibrahim, ce ne sera pas Ruby. Parce que nous tous, on a écouté. Vous avez aussi dit que Ruby ment. Vous avez aussi dit que Ibrahim ment. Vous avez aussi dit que tous ceux qui ont déjà écouté les nouveaux vocales mentent. Tout le monde choisit de rester tranquille parce que ça ne nous regarde pas. Non, mais Francis, arrête. Arrête. Ce que tu fais n'est pas bien. Arrête d'aller t'asseoir là-bas. Tu parles de ta femme comme ça. C'est ta femme. Toi-même, tu es allé à Live TV. Qu'est-ce que tu as dit? Je l'ai épousée. Je l'épouse encore dans une autre vie. Et tu vas derrière. Tu dis autrement. Pourquoi? Parce que tu veux montrer au public que tu l'aimes. Mais au fait, derrière, tu ne l'aimes pas. Au fait, derrière, tu souhaites même qu'elle ne soit plus ici. Au fait, derrière, tu regrettes même. Au fait, derrière, tu racontes des bobards. Ou peut-être, ou tu vas t'asseoir là-bas, tu t'assois là-bas, tu parles parce que tu veux quelque chose. Parce que c'est souvent comme ça. Quand on veut quelque chose, on est prêt à dire des bêtises sur quelqu'un. Parfois même des mensonges. Et quand ça ne fonctionne pas, on asperge la haine. Il faut que tu arrêtes, Francis. Arrête d'essayer de te défendre. Je n'ai rien dit. Tout ce que ces youtubeurs racontent, ce sont des mensonges et tout. Si c'est des mensonges, pourquoi te défendre? Quand c'est le mensonge, on se défend pas, on reste tranquille, on garde son silence. Pff, ces gens-là, ils ne savent pas ce qu'ils parlent, c'est ce qu'on dit. Pourquoi te défendre? Mais arrête de te défendre. Va prendre soin de ta femme, reste tranquille. Prends soin de ta femme. Et quand elle se sent mieux, elle revient. Elle-même, à haute voix, elle va dire, oui, mon mari était là, il a pris soin de moi. Tu n'as pas besoin d'aller sur les réseaux, parler aux gens ou appeler les gens, parler aux gens pour dire que non, c'est pas vrai, je n'ai jamais dit ça et tout. Mon frère, tu n'as pas encore appelé ton entourage pour voir qui t'a vendu. Tu vas appeler, ouah, tu ne vas pas trouver qui t'a vendu. Tu as déjà vu le genre là, genre tu as le serpent dans ta maison. Genre tu dois avoir le serpent, toi-même tu ne sais pas que tu dois avoir le serpent. Je vous ai toujours dit, la personne qui te... La personne qui dort avec toi. Francis, arrête d'aller t'asseoir. Ou tu peux t'asseoir pour parler de ta femme. Yeah. Et tu viens dire qu'on ment, on ment, on ment, on ment pas. Ne force pas la main des gens, Francis. Ce ne sera pas beau. Si on fait écouter ce que tu as dit là, et ce soir encore, j'ai reçu cinq notes vocales de toi. Si on pas fait sortir ça, ce ne sera pas joli à entendre. Moi, je suis le genre de personne, Francis, demande aux gens qui me connaissent, quand je parle, je dis que j'ai une autre vocale, je ne mens pas. Hein. Je ne mens pas. Mais si on commence à sortir, là, ça, sortir ça là maintenant, ça ne sera pas bon du tout pour toi. Je ne mens pas, Francis. On a les notes vocales, on a tout. Donc arrête. C'est ce que je venais te dire, d'arrêter. Prends soin de ta fille, prends soin de ta femme. Les réseaux, voilà, les réseaux, les gens vont toujours parler. Arrête de gesticuler. On ment, on ment, on ment. Si on mentait, tu n'avais pas gesticulé. Bon, les internautes sur cette note-là, écoutez, la jeune femme a besoin de nos prières, elle a besoin de nos forces. On n'a pas besoin de descendre ou de raconter. Bref, tout le monde a déjà fait des futilités sur les réseaux. On a déjà fait des bêtises. Elle a fait des bêtises, j'ai fait des bêtises. Plusieurs personnes ont déjà fait des bêtises. L'essentiel, ce n'est pas nous condamner quand nous sommes en train de traverser des moments difficiles, mais de nous comprendre, d'être là pour nous, de nous soutenir, de nous envoyer des forces et des prières. Nous sommes des humains à la fin de la journée. Nous sommes des humains. Donc, de voir des personnes aller sur les réseaux raconter où elle est, si elle est, si elle est folle. Les gens racontent qu'elle est folle, elle est, si elle est. Ça paraît que c'est son mari qui est en train de raconter ça dans les oreilles des gens. C'est ça. Si son mari n'avait pas commencé à ouvrir sa bouche là, les gens n'allaient pas savoir. Pourquoi les gens ne parlent pas de Nathalie? Pourquoi on ne dit rien de Nathalie? Nathalie n'est pas sur les réseaux depuis. Pourquoi on ne dit rien? Il n'y a personne. Vous avez vu Marie de Nathalie là quelque part? Même père d'enfant n'est pas là. Personne ne dit rien. Pourquoi c'est ce qu'on parle? Parce que c'est son mari qui a commencé à parler, raconter. Et ce qu'il oublie, c'est que sur Internet, même les gens qui sont à côté de toi, ils veulent l'information pour raconter. Chacun veut un peu de quelque chose. Il faut qu'on arrête. Donc, chers internautes, non, Ibrahim n'a pas menti.
Il a les notes vocales. Il a, j'ai, Ruby, Anna, nous, voilà, nous trois, on a les notes vocales, on les a bien écoutées. Et ça fait froid au dos, ça fait peur, ça fait honte, ça fait peur. Je dis, si vous écoutez les notes vocales, là. Hey! Ça fait peur, ça fait honte. Et c'est pas digne d'un homme. Lui là, Vimbala, comme a dit, il est homme, il est garçon, il est ci, il est ça. De l'entendre parler comme ça là, j'ai dit, Adama, Adama, c'est diamantaire ça. Ça c'est pas digne d'un diamantaire. Hein? Ça c'est pas digne d'un diamantaire. Ça c'est digne d'un caillou-terre. Ah! En tout cas, ma part est finie. À bon entendeur, salut. J'ai dit Francis. Arrête de raconter que Ibrahim ment. Arrête de raconter que ce qu'on dit est faux. Reste tranquille, va prendre soin de ta femme. Dernier message. Comprendo? Ok. Sur ce, bonne soirée. J'ai un voyage à faire dans quelques heures. Donc, il faut que j'aille m'apprêter pour mon vol. Vous savez que quand je suis en t-shirt blanc, ça veut dire que je vais au lit. Sur ce, passez une bonne nuit. Avec tout ce qui se passe sur les réseaux, s'il vous plaît, restez concentrés sur vos objectifs. Ne vous laissez pas défocaliser parce que le diable est fort. Il va utiliser même les buzz pour vous déstabiliser, vous défocaliser. Restez concentrés, surtout mes élèves de la Queen's Academy. Plus de 4000 femmes à la Queen's Academy. Merci pour l'amour, merci pour la confiance. Restez focalisés, mes élèves. Nous avons cours ce samedi. Ce samedi, nous avons cours et une invitée spéciale, une femme qui a déjà réalisé des choses incroyables. Et en plus, mes reines, en plus, je suis en vacances, mais je fais le coup. La vie est belle. La vie est belle, comme je suis belle. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Comme je vous ai dit, je reviens sur YouTube très bientôt, mais il fallait que je vienne avec cette vidéo, mettre des points sur des i et rappeler à Ba ou Himba de se concentrer, de prendre soin de sa famille, d'arrêter d'essayer de se défendre, de dire qu'il n'a pas dit certaines choses, car il les a dit, elles sont bien et bien là, on les a écoutées, il cherche qui l'a vendu, mais il ne va pas trouver qui l'a vendu, parce que nous-mêmes, on ne va pas vendre le vendeur. On ne va pas vendre le vendeur. Le vendeur ne va plus nous donner les informations.